La France compte 3 820 000 entreprises. La plupart de ces entreprises comprennent moins de 10 personnes. On parle de micro-entreprises et elles correspondent à 96% du total. Les PME, petites et moyennes entreprises, peuvent compter jusqu'à 250 personnes. Hors micro-entreprises, on en dénombre 140 000, soit 3,7% du total. Entre 250 et 5000 personnes, on parle d'entreprises de taille intermédiaire, les ETI, et il en existe plus de 5700, ce qui correspond à 0,15%. Enfin, au-delà de 5000 personnes, on compte 287 grandes entreprises, soit 0,01% du total des entreprises françaises. Mais si l'on considère les effectifs de ces entreprises, les micro-entreprises rassemblent seulement 18% des salariés, contre 28% pour les autres PME, 25% pour les ETI et 29% pour les grandes entreprises. Hors micro-entreprises, plus de la moitié des 140 000 PME ont moins de 20 salariés et seulement 14% dépassent les 50 salariés. En moyenne, les PME comptent 27 salariés. Les PME couvrent des domaines d'activité très divers. En particulier, la construction, les industries traditionnelles, la réparation ou l'installation d'équipements. Et dans les services, on retrouve les PME dans l'hébergement et la restauration, l'action sociale, le juridique et la comptabilité, la recherche et le développement, le travail temporaire, le secteur des voyages. Les PME sont donc des structures de petite taille centralisées autour d'un dirigeant. Elles doivent être en permanence réactives et innover pour s'adapter au marché. Le fonctionnement des PME est souple et peu formalisé. Un tiers de ces entreprises travaillent à l'export. Le numérique est une source de gains de productivité à développer. L'efficacité du travail administratif est un enjeu clé pour les PME. Elles s'appuient souvent sur des profils polyvalents spécialisés en gestion.